j'en ai marre, ma tante, elle est pas belle. Je veux une vraie maison. Oh là là. Je veux une vraie maison. Maman, papa, il y a de l'eau, c'est mouillé, mon sac de couchage, il est mouillé. Ah bah, on n'a pas encore d'argent. Salut les jeunes, comment ça va? Ah, mais il y a mamie. Eh, devinez quoi les jeunes, j'ai vendu tous mes cheveux pour le chapeau. Mais il est éclaté ton chapeau. Oh non, moi je le trouve très beau. Ah. T'aurais pas pu nous acheter une maison à la place? Non, je les ai vendus pour 1 $. C'était le prix du chapeau. J'avais une place. Oh. C'est incroyable ça, mamie. Et après voir. Ça sent le moisi dans ma tente. Ah bah, tu nettoies. c'est normal. Mais elle est petite. C'est normal. J'ai enterré le rat de compagnie à côté de ta tente. Quoi? Il est mort, notre rat? Ouais, le rat de compagnie. Il est mort. C'était mon seul ami. Oh non. On s'en bat les couilles, c'était qu'un rat. Mon cher rat. Tu m'as aidé pendant mes moments de démence où j'ai évité de tuer mamie. Avec on aurait pas pu vendre les poils du rat pour faire pour acheter un bonnet aussi? Ah bah oui, mamie. Attendez, je le déterre. Ah oui, on va manger le rat. C'est bon, qui prend le rat? Non, j'en veux pas, sans façon. C'est bon, je prends le rat. Ah! On peut le vendre où, le rat? Eh, ne fais pas de choses bizarres au rat. Comment ça? Moi, je veux le vendre, le rat. Ne fais pas comme ton oncle. Eh, hey, c'est qui m'a piqué mon coussin? Il faut le vendre à la boucherie. Qui m'a piqué mon coussin, là? Je vais dormir comment, moi, ce soir? T'inquiète pas, je prends du poulet, regarde. Tu vas dormir dans la poubelle. J'ai ramassé ça par terre, là. Faites attention quand vous marchez, hein. T'as mis quoi par terre? Bah, j'ai ramassé ça par terre, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Une seringue. Oh, vas-y, John! C'est de la bonne. C'est pour éviter d'être malade, attends. Et tu peux pas me piquer avec, moi aussi je veux avoir des super pouvoirs comme Spider-Man. Oui. Il est en train de se transformer. Vas-y John, est-ce qu'il y en a encore pour moi? Eh hey, papa, hey. Maman, il y a ma soeur qui a marché sur un clou. Comment ça? J'ai marché, il y a un truc qui est enfoncé dans mon pied. Bah écoute, là c'est pas une seringue. Attends, bouge pas, je vais l'arracher avec mes dents. On ampute. Vas-y, serre la bouche. Cœur, c'est bon, c'est retiré avec les dents. Attends, on va boire le sang, bien entendu. Faut pas du gaspillage. Papa, c'est un vampire. Bah non, c'est des protéines. Salut, papa. Ouais, salut. D'y voir, pour mon anniversaire, je pourrais avoir une Ferrari rose, s'il te plaît. Ouais, tiens, achète-toi. Tiens. Ouais. Ah, trop cool. Et j'adore le concept, quoi. Une Ferrari rose, c'est clairement classe, quoi. Tu vas avoir de l'argent de poche, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Hop, j'avais caché ça derrière la cheminée. Hop, voilà, tenez, prenez. Trop bien. On voulait aussi mes vêtements. Là-dedans, il y a un. Tu peux aller m'acheter le nouveau sac Gucci? Gucci gang. Ouais, j'adore l'idée, quoi. C'est incroyable, vraiment magnifique, quoi. Salut les jeunes. Je vais salut mamie. Ah bah, il y a mamie Perla Papa. Est-ce que vous aimez ma nouvelle robe? Tu l'as acheté combien, ta nouvelle robe? Oh, je sais pas, en 2 millions. Elle est trop belle. J'adore l'idée, elle coûte cher, mais comment dire, mes yeux ont fait un AVC, quoi, mamie, avec cette robe. Oh, je sais, c'est parce que j'aime pas les épileptiques. Ah, je comprends, ok, j'adore le concept, vraiment. Et moi, je vais avoir une nouvelle voiture. Oh, ouais, c'est la danse des billets, quoi, c'est incroyable. Mamie, tu veux pas qu'on achète tous les deux un uniforme Gucci? Gucci, on achète, c'est quoi, ça? C'est une marque trop bien pour les jeunes. Tu connais et pas, vu que mamie, t'es méga jeune, mamie, faut que tu t'habilles en Gucci. Vous inquiétez pas, moi je suis une jeune. J'ai pas besoin de Gucci pour être jeune. Ah ouais, mamie. Avec des artifices.
Mais pourtant, t'as besoin de ça pour marcher, mamie. T'as besoin d'un déambulateur. Ah, ça, c'est pour leur foutre des coups aux pauvres. J'aime pas les pauvres. Tu veux pas que je te colle des diamants sur ton truc? Ouais, on va l'acheter en déambulateur en or, je pense. Ah oui, moi j'aime bien l'or. Avec trop des bien. Diamants. Eh, hey, la bonne, la bonne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du caviar? Tu veux du caviar dans du Nutella avec du banane. Voilà. J'adore l'idée, c'est complètement incroyable. Du banane dans du caviar. Alors tu risques une overdose alimentaire, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Et du Nutella. Quoi. Ça va mourir du diabète. Trop bien, je pense le diabète. Que je vais commencer à appeler le plombier pour les toilettes quand je sens que ça va complètement péter dans tous les sens après. Et la bonne, elle peut m'emmener à Disney World à Paris? Oh mais si, je vais aller draguer des jeunes. Oh là là. Mais je t'ai déjà aidé à monter les escaliers, toi, cool. Mamie. Comment ça va à Disneyland Paris? Bah on y va à Disneyland Paris, alors... Trop bien. Allez les enfants. Oh là là. Bon allez les mioches là, allez récupérer de l'argent là, allez chez vous. On va à la place habituelle. Ouais, la place habituelle, c'est là-bas quand je fais plus de thunes. Comme là. D'habitude. Eh, attendez, vous avez oublié quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut ramasser des pièges que ils jettent dans les fontaines là, c'est con là. Ah oui. Hein? Mais c'est vrai, façon, ça pue la pisse. Mais pourquoi ils jettent de l'argent dans la fontaine? Je comprends pas, au lieu de nous les donner. C'est pour faire des vœux, c'est pour faire des vœux. Ah, vous bon, allez me décoiffer. Quand vous j'ai pas nagé, glou glou glou. Ah, j'ai pas nagé. Allons à toi, ça fera des bouches en moins. Si je la sauve, ça fera un bouche en plus. Si elle meurt, ça fera une bouche en moins. On pourra vendre son corps. Bon, c'est bon, à moi qu'on me donne le plus d'argent parce que je suis la plus mignonne. Non. Bon, vas-y, sauvez-la. C'est moi qui rapporte le plus d'argent. Ah. C'est bon, allez sauver. Petite pièce, s'il vous plaît. Petite pièce. Bon, on va à l'épicerie. Ok. C'est qui lui? Allez, les enfants. Faites attention à la route. Maman, il y a un papy et mamie avec. Oh, t'inquiète pas, je l'ai frappé avec ma pancarte. Bon, devant l'épicerie, vous savez quoi faire maintenant. Hop, vous retirez la pancarte. Et puis, on fait quoi? Hein? La choré de la famille. Allez, c'est parti. Comment ça, la chorégraphie? Mais je vais briser tous mes os. Ouais. Donnez de l'argent de la moula. C'est quoi la musique de la moulaga déjà? Ah, donnez. La moulaga. Donnez de la moulaga. Ah, la moula. Ah, la moulaga. C'est bon, je crois qu'on a des potentiels clients là. C'est-à-dire personne, mais on a des potentiels clients, c'est toujours mieux que rien. Attendez, moi je préfère faire quelque chose de plus efficace. Vas-y. On va frapper les gens dans la rue et prendre leur argent, comme on faisait en 40. Et sinon, moi j'ai une idée. Vas-y, dis. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais ça pourrait être une pas mal idée pour gagner beaucoup d'argent. On va braquer l'épicerie. Oh, braquer l'épicerie. Allez, on y va. On va braquer Attendez, tout leur argent. Mais d'où tu sors ce flingue? Avant qu'on batte l'épicerie, tiens, c'est un au milieu du chemin là. Allez, d'accord. C'est moi. Ok. Bon bah écoutez, on va retirer le nerf fouchi. Donnez-nous tout l'argent que vous avez dans la caisse. On veut tout le fric. Tout le fric. Et lève. Donnez tout. Lève les mains. Voilà, prenez tout l'argent. Prenez tout l'argent. Pour l'argent, on se casse. Dun. Voilà. On y va, j'ai l'argent. Allez, l'argent. C'est bon. Elle a l'argent, maman. On y va. Ah, ancien caddie, ça fait un lit. Ouais, trop bien. T'es trop lourd, sors de là. Ah, y a le nerf qui tire pour rien. Oh, écoutez, la famille, je viens de découvrir un concept extraordinaire, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est des restaurants, genre. Vraiment incroyable, ils font de l'art,
des spectacles et en même temps tu manges. C'est un concept révolutionnaire. Du coup, je pense qu'on va y aller ce soir, quoi. Complètement, ouais. Oui, trop bien. C'est top délire. Et ça s'appelle quoi, ça, révolutionnaire ? Ça s'appelle Or dans la nourriture, dans ton esprit, révolutionnaire. C'est de la merde. Et moi, non, j'aime la merde, on y va. De toute façon, tout ce qui est à notre portée, c'est de la merde parce qu'on n'a rien à faire de notre vie, parce qu'on est trop riche. Bon, venez, on y va complètement. Et c'est la bonne qui va conduire, bien entendu. Hein, parce que et moi, je vais leur payer. Vous me payez, hein. Vous me payez pour conduire, j'espère au moins. Oh, et moi, pourquoi je conduis jamais? Eh ben, on a une bonne pour ça, mamie. C'est un concept vraiment incroyable d'avoir une bonne. Moi, je préfère conduire. En plus, la bonne, elle est bonne. Bon, du coup, on y va. Quoi? Je conduis jamais. Non, pas mamie. J'ai pas de GPS. T'inquiète, écoute, va vers la ville. Va vers la ville, effectivement, tu verras. C'est là en où il y a de la ville, il y a de la vie. Des lumières, des lumières, des lumières. Là, je vois des lumières, enfonce dedans. Ça pue, ça. Pourquoi il y a des tentes de SDF? Oh, ouais, non, c'est vrai, ça. Il y a des pauvres à côté, on pourra flex un peu sur eux, quoi. Je crois que... Pour les écraser. Fais-moi la caisse. Je pourrais les nourrir comme les pigeons au parc. Ouais, tu jettes des billets par terre et ils vont se nourrir, t'inquiète pas. Mais j'ai trop bien, ça. De toute façon, là, le restaurant, je l'ai privatisé uniquement pour nous, quoi. Parce que, waouh. Mais est-ce que je peux adopter un clochard? Moi, vas-y, tu peux l'adopter. Ouais, c'est incroyable comme concept. Bien. Et papa, bon. Maman, mamie, j'ai faim. Bah, maman, je crois que. Il y a dans la poubelle. Je crois qu'il y a des gens qui ont quitté les nourriture. Venez, on est dans la poubelle, les enfants. Ouais. Il y a plein de bouffe avec plein de mouches. J'aime bien ça. Prenez les sandwichs. Mangez les mouches aussi, hein, il y a plein de protéines dedans. Et papa, j'ai trouvé un steak avec des vers dessus, je peux le manger? Ouais, vas-y, mange-le, c'est bien ça. Les vers, ça étoile le ventre et tout. Yam. Les jeunes, j'ai trouvé un bébé. C'est vrai, oh, ça vrai. On peut le manger aussi? Oh mon dieu. Non, on va le vendre. C'est un garçon. Ouais. On le vend. Ou mais j'ai toujours voulu avoir un petit frère. Notre esclave, il va travailler pour nous. Non, on le vend. Ouais, on je le connais vend. Un mec qui pourra le mettre en bon prix sur le marché noir. On est sur le bon coin. Oui. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un truc sur l'internet. C'est un site où on vend des choses. Bah, le bon coin, moi je connais, il est ici le bon coin dans le poubelle là. Ah, ça c'est un bon coin, sympa ça. C'est trop petit, ils arrivent pas à rentrer dedans. Donnez-moi de la nourriture. Oh, il y a des vers. Oh, bande de radins, là. Donnez-moi des... Oh, des oh un ragondin. Ah non, c'est une saucisse. C'est un hot dog. Ah. Mangez. Viens là, toi. Attrapez-le. Oui, attrapez-le hot dog. Où il est? Où il est passé? Il est monté. C'est un hot dog hyperactif. Ah, oh, ça veut dire qu'il y a plein de protéines. Il est là. Il y a le hot dog. Je vais manger, laissez-moi-en un peu. C'est bon, je lâche Tom. Attrapez-le. Je lâche Tom avec la pelle. Tiens, prends le bébé dans ta gueule. Bon, il est où le serveur, là? On l'attend depuis tout à l'heure. Ça fait une heure, j'ai faim. Au pire, on commande à la bonne et elle ira faire la commande. Ouais, la bonne, viens ici, quoi. On va te montrer un concept incroyable, tu vas passer la commande pour nous. Bon, écoute, tu vas dire tout simplement au serveur, moi, j'aimerais bien avoir un canard laqué bien saignant, avec une sauce, mais incroyable, quoi. Et après, tu m'amènes un petit rosé, mais qui va bien avec voilà, le petit canard laqué, bien entendu, sinon ça ne... passera pas et je vais péter un câble et je vais racheter le restaurant et puis je vais le faire détruire pour créer une parc d'attractions. Tu dis ça bien au chef, bien compris. Yes, c'est je note. Okay. Bon, et moi je veux des pâtes avec des Smarties, avec de la sauce au chocolat blanc et comme boisson, papa, je peux prendre
Je peux prendre de l'alcool. Je vais faire comme les grands. Bah moi, écoute, je trouve ce concept de donner de l'alcool aux mineurs complètement incroyable, car après tu leur donnes la liberté et ils arrivent à tout simplement se libérer de leur liberté, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu peux prendre de l'alcool et... Trop bien. Bah, je vais avoir un vin rouge et un bourbon. Voilà, c'est déjà bien. Et je veux un jouet, comme dans la Pimille. Mamie, réveille-toi, mamie. Quoi? Oh oui, c'est vrai, j'existe. Tu respires. Alors, je dois faire quoi? Ta commande, bah, mamie. C'est quoi ça, une commande? La nourriture, hein. Y'a quoi comme nourriture? Prends de la purée, bah, comme tu prends d'habitude. Ta purée regarde de compote sur la carte, et de mamie. Terre. Sur la carte, j'aime pas trop mamie. La purée. Je sais pas lire. Oh. Je vais prendre du pain. Ok, bah va pour du pain. Mais du pain classe, s'il vous plaît. Sans gluten, si possible. Sinon, mamie va faire une overdose de gluten, quoi. Du pain vegan. Sans bah, farine. Bon. T'as noté la bonne. La bonne, tu prends du temps pour noter, vu le prix qu'on te paye, tu devrais être plus rapide, plus réactif, quoi. T'as pas compris le concept ou comment? J'ai faim. Bah, c'est la et bonne. Et vous prendre encore la commande de ma sœur. Bon, la bonne, ah oui, c'est pas faux. Alors, j'étais en train de chercher, je veux bien un burger chantilly avec des frites et du Nutella pour couper mes frites. Et de la glace. De la bonne incroyable. Il va mourir de diabète, comme ton père. Mais laisse-les, ils sont riches, ils ont bien le droit de goûter à ce qu'ils ont envie. C'est incroyable comme concept, mamie. Trop bien. C'est quoi les burgers là, qu'il y a sur la table? C'est pas pour toi, mamie. Toi, c'est le pain tout sec, tout moisi qui est à côté. Hein. Comment ça, tout sec, tout moisi? C'est parce que j'ai commandé. Sec bah, comme toi, là, mamie. À la serveuse. Non, je vais commander un hamburger. J'ai commandé quoi déjà? Du pain sec, mamie. Oh non, c'est dégueulasse. Moi, je vais prendre du ragoût de chou. C'est quoi ça, du ragondin? Non, du ragoût de chou. Ah, c'est incroyable comme concept, mamie. Ou sinon, de la choucroute. J'ai faim. Ouais. Non, pas de la choucroute, tous... après elle va enfumer toute la baraque, elle va péter partout, ouais, ça va sentir va le cadavre moisi dans toute la maison. La je veux pas qu'elle mange la choucroute. Je te rappelle, mamie, t'as tué 5 employés qui venaient nettoyer la maison juste en mangeant de la choucroute. J'aime bien le concept, mais il faut aller mollo, mamie. Bon, vous avez bien eu tous vos commandes. Non, moi je devais avoir un hamburger à chantilly et des frites Nutella et de la glace, j'ai même pas eu ça. Et ils sont où là, nos artistes qui doivent danser devant nous? Ah, c'est bon, elle a ramené. J'ai commandé quoi commande. Déjà? J'ai oublié ce que j'ai commandé. Du pain sec, mamie. Du ragoût de chou, mamie. Oh, du pain. Il est où le spectacle? Moi, je vais voir ouais, le spectacle. Le spectacle, ils ont des danseurs, ils tournent. Ils sont où les danseurs? Bon, c'est quoi bonne, les danseurs? La bonne, tu vas danser avec les danseurs. Parce que c'est incroyable comme concept, quoi. Si je veux danser. Bon, non, je crois mamie. Que la bonne, elle est tu vas encore assommer des gens avec ton truc. Ah, comment on peut vieux temps. Bon, écoutez, l'établissement bon, allez, est bon vraiment appétit. Vraiment nul. Bon, je vais re-acheter ici et je vais ouvrir un parc. Vous en dites quoi? Franchement, ouais. Moi je suis pour. Oh, la dernière fois que j'ai vu un parc, il s'est fait bombarder par les Allemands. T'inquiète, mamie, on est en quoi 2021. Là, c'est un autre siècle, t'as vu. Bon, allez, bon appétit, tout le monde. Allez, bon appétit.